Salut ces amis, aujourd'hui les gars, je vais vous montrer donc comment régler le problème donc de hard disk, donc le problème de 3F0. C'est très très simple. Beaucoup d'autres youtubeurs donc font par rapport à d'autres systèmes d'exploitation, mais donc il y a une manière très très simple donc dans le BIOS de corriger donc ce problème. Donc c'est parti. Donc tout d'abord il faudra donc déjà tester un petit peu donc vos disques durs. Donc vous faites comme moi, donc ça sera donc en français, donc je vais mettre en français. Voilà, vous faites vérification des disques durs ou du disque dur, vous faites vérification rapide. Donc tester ou sélectionner le disque dur ou tester tous les disques durs. Donc moi je commence à tester tous les disques durs, comme ça vous serez sûr donc que vos deux disques durs marchent parfaitement. Donc moi je vais pas le faire parce que je sais que mes disques durs marchent. Donc ce qu'il faudra faire, c'est vous faites donc après avoir fait la vérification de vos disques durs, il vous suffit juste donc de faire quitter oui. Et ensuite, vous venez placer votre main sur F10 et tapoter F10 jusqu'à ce que le BIOS apparaisse. Voilà, donc comme ceci. Donc voilà. Donc moi, c'est un BIOS comme ça. Je ne sais pas vraiment comment faire sur les anciens BIOS de HP. Donc je vous dis aussi, c'est principalement donc que sur les PC HP donc que cela arrive. Donc alors là il vous suffira juste, donc déjà on va aller changer la langue. Alors voilà, langue, donc on va mettre en français. Donc là il vous suffira donc juste donc d'aller dans options d'amorçage et vous activez donc assistance pour les anciens équipements. Donc c'est parti, donc on va activer comme ceci. Donc ils vont vous demander modifier, ils vont vous dire donc modifier ce paramètre peut empêcher le système de démarrer le système d'exploitation. Vous pouvez faire cette modification, vous faites oui. Donc voilà, c'est activé pour moi. Et là vous pouvez voir donc que ça est quand même réapparu, donc ce qui est déjà une bonne chose, car donc c'est quand donc ceci n'est pas apparent que il y a ce petit problème. Donc ensuite vous venez là, vous faites enregistrer une modification et quitter. Voilà, comme ceci. Là, vous allez attendre donc, que votre PC redémarre. Voilà, donc ça va vous mettre ceci. Et là, vous entrez bien donc ceci. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a marqué 5342 plus entrée. Donc, on va le faire. Donc, 5342 plus entrée. Ou entrée là. Excusez-moi, 5342 entrée. Voilà, donc là c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc ça ne me refait plus donc ce petit bug du hard disk. Donc c'est très très simple, c'est juste quelques soit dû à des virus qui ont pénétré dans votre disque dur et donc qui l'ont rendu illisible. Peut-être votre disque dur qui est mort, ou comme moi donc des petits problèmes dans le BIOS. C'est parti, donc là vous pouvez le voir, donc j'ai juste à rentrer mon code et voilà. Donc merci d'avoir regardé ce petit tuto, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire dans les commentaires donc si ce tutoriel a marché. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels pour régler des problèmes Windows. Moi je vous dis bye et merci à vous.